Ok, c'est. C'est télé-shopping, quoi. Tu réfléchis. Une fois qu'on a fini la journée, je vais faire une petite pause. Quand même. Toutou qui fait wawa. Bah, je sais pas. Deux secondes, je vais voir. Re, voilà. C'est juste le voisin qui faisait des trucs dehors. Et donc, voilà. Toutou, il faisait wawa. Toutou, il a fait wawa. Ah, tu vas pas revenir, toi. Volcan.
attendez. Ah, j'ai pris un truc à boire. Check, check. C'est bon? Bah, Meumeu, elle a l'air contente, là. Bon, bah, on a plus de sous. On va faire dodo? Ah, on s'est quand même fait 1200. Ça va, on a remonté nos finances. Je sauvegarde et je vais regarder si pour je peux cuire mes poissons. Tiens, on peut même regarder la télé pour demain. Blabla. Nuages, ok. Les harmonicas, la cuisine. Ah, la cuisine de Maya, c'est quoi? Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la cuisine de Maya. Aujourd'hui, je vais vous parler du lait fraise. Il suffit de mettre du lait et des fraises fraîches de saison dans les mixeurs. Très bien, vitamine C et calcium, pour préparer. Ah, j'ai appris une recette en fait. Recette. Ok, j'ai pas de recette. Donc il me faudrait les poissons dans mon sac à dos. Ok. On va tester, hein. De toute façon, ça peut pas être mauvais. C'est juste des poissons cuits. Bon bah si c'est bizarre. Je pense que j'ai dû rater un truc. Je pense que le mieux ça serait au lieu de faire à la poêle une planche pour faire des sashimi. T'as juste à couper du poisson et puis c'est tout. Après voilà quoi, je sais pas. Ça fait 2-3 jours là que ça fait vent nuage. Elle est pas très contente, hein. Bon, elle a à manger. Elle aurait aimé sortir. On va mettre le plat bizarre, hein. Oula. J'aurais presque aimé qu'il pleut en fait. Parce qu'avec la pluie, bah, ça arrose et tout. Voilà. Douze, 13, 14, ça fait vendredi, samedi. Donc samedi, il y a du comment ça s'appelle Il y a un festival, voilà. Festival des fleurs, je sais plus quoi. Thank you.
Ah bah tant que ah bah l'ami que je vous lisais tout à l'heure, il a encore changé de jeu. Alors je sais pas ce que il branle cet ami, mais. Ok, on a à peu près la moitié de notre énergie. Fait, pour l'instant, on n'a pas d'objectif. C'est un peu triste, en fait. Allez, on sort la vache quand même. Elle sera plus contente à l'extérieur que enfermée, même s'il y a du vent, quoi. Ouais. Ah. Bon, bah y a rien. Ah bah on explore, hein. Mince. Il y avait rien là, non? Ah, si. Ok, il y avait juste une. J'allais dire une groseille. Une. Myrtille. Par moment, j'ai du mal avec les mots, hein. À part chez moi, c'est plus des brimbelles, mais bon, après. C'est une question de. Parce que j'aurais de quoi nourrir les mais par exemple les poules. J'aurais pu prendre des poules, la machine à incuber, et puis je revendais du poussin, quoi. C'est une technique comme une autre. C'est-à-dire, on achète une poule. On fait éclore les œufs. Et puis, une fois qu'on a, par exemple, deux ou trois poules, bah, soit les œufs, on les revend, soit on fait incuber les poussins. Et puis, on revend les poussins. Bon, les poussins se rachètent moins cher qu'une poule. Je crois la moitié. Par exemple, si une poule, ça coûte 1000, les poussins se revendront 500, quoi. Donc, voilà. Alors, moi, je suis déçu parce qu'en fait, comme je m'étais dit, bon, bah. La poêle, on va faire les poissons, mais ça a pas. Soit il me manque un ingrédient, soit ça marche pas comme ça en fait. Après, c'était peut-être le poisson là qui marchait pas aussi.
Ah oui, tiens, vu qu'il y a le monsieur, on peut lui parler, peut-être. Il va peut-être nous dire quelque chose. Ah. Salut Staos, tu t'habitues à la vue par ici? Bah, c'est un peu. Pardon, tu veux savoir comment devenir ami avec les animaux? Viens avec moi. Ah. Commençons, Staos. Il faut que l'animal et toi ouvrez vos cœurs. Si tu es longtemps avec les animaux, il est possible de comprendre leurs émotions. Ok, allons nous amuser un peu. Boss, tourne. Bien joué, ensuite debout, boss. Tu devrais réussir à faire ça assez rapidement. Tu es encore un débutant. Tu vas avoir besoin de ça pour te rapprocher des animaux. J'ai dû le laisser tomber. C'est un sifflet pour animaux, pour communiquer avec les animaux. Ah, ok. Où est-ce que j'ai bien pu le mettre? Je l'avais encore quand je suis allé au bazar Clavecin. En attendant, je vais te donner un livre pour t'apprendre à t'en servir. Tu as obtenu le livret des animaux. Ok. Staos, peux-tu aller demander au bazar Clavecin s'ils ont trouvé le sifflet pour animaux? Ah bah voilà, je savais bien qu'il y avait un sifflet ou un truc bizarre, quoi. Bazar Clavecin, c'est ici. Ah, me dis pas que c'est fermé aujourd'hui. Bon bah c'est fermé aujourd'hui. Tant pis. Au moins, on a avancé, quoi. Ouais, je mets tout dans la caisse, comme ça. J'ai pas regardé. Ça fait un moment que j'ai pas regardé. J'ai combien de pierres? Non, pas amitié. Je me trompe à chaque fois de côté. 49. Ok, j'ai 49 pierres. Je crois qu'il en fallait 100 pour pouvoir espérer améliorer le poulailler ou la grange. Donc j'ai à peu près la moitié de ce qu'il me faudrait. À peu près, hein. Voilà. Ok, on cherche, on. J'aimerais en priorité des grosses pierres comme ça, ouais. Ça me permettrait de. Bah, de faire plus de cailloux, quoi. Vu que pour l'instant, niveau minerai, on va dire j'en ai assez pour. Pour le moment, j'aimerais avoir des cailloux en fait. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage. C'est que bah c'est un peu du aléatoire ce que tu trouves dans les cailloux quoi. J'aurais presque préféré avoir des
Comme dans Stardew Valley, c'est-à-dire il te montre directement le minerai que tu veux récupérer. Et après, en fonction du niveau que t'as, il pourrait te dire, bah en fait, non, ce minerai-là, tu peux pas parce que t'as pas le niveau. Voilà. Ça pourrait être une solution. Tu te sens faible. C'est toi qui es faible. 9. Ah. Ah, champignon. Ok, je crois qu'on est revenu au 10. Mais je sais pas si on voit bien, mais j'ai l'impression que le truc en face ressemble à... Ah, ça va prendre encore un peu de temps, ok. Je sais pas, ça ressemble à un truc comme soit un machin de puits avec c'est peut-être un machin de puits en fait. Je sais pas, on verra quand on pourra y accéder. Je suis en train de réfléchir. Parce que j'allais dire, ça ressemble pas à un hôtel. Genre un hôtel où que tu déposes de la nourriture ou des trucs comme ça pour une divinité, quoi. Parce que ça aurait pu être l'hôtel du mec du feu. Oh, bonjour, vous. Barbara. Salut, Staus. Ça te plaît de vivre par ici? Un sifflet pour animaux? Qu'est-ce que c'est? Un objet que Denis a perdu. Je ne fais pas les ménages toujours, mais je n'ai rien trouvé. Si mon mari l'a trouvé, il l'a sûrement emmené pour le faire évaluer. Demande toujours à la boutique d'accessoires. Accessoires Kuroto, juste à côté. Ah bah voilà. Oh, me dis pas que c'est fermé aujourd'hui. Salaud. Ok, donc faut que j'aille voir au mec des accessoires déjà. Alors les ours. Ah oui, j'aurais bien demandé le prix pour améliorer la maison, quoi. Ah, un champignon. Je l'avais oublié ou il a repoussé entre-temps? Je pense que j'ai dû l'oublier. Parce que je vois mal le machin repousser, quoi. Ouais, alors comme tout à l'heure, je disais, ouais, je vais faire une pause. Bah finalement, quand j'étais voir Titou, je suis passé aux toilettes, j'ai fait ma pause. Enfin, ma pause. Voilà. Je mets mes trucs dans ma poubelle. Là. Oui, je me suis pris un petit café en fait. Un café glacé. Bon, je vais peut-être pas citer la marque, mais voilà. Le logo, il ressemble à une sirène, on va dire ça. Bon, le minerai, c'est cool, hein. Mais pour le moment, tant que je peux pas vraiment... Comment ça s'appelle? Améliorer mes outils, ça va être compliqué. Et pour ça, d'après ce que j'ai compris,
Il faudrait rallumer le machin du feu. Ah oui, c'est un petit conteneur en fait. Bah, c'est déjà bien. Des cookies. À base de blé et de beurre. Ok. J'ai pas rentré les animaux. Enfin, les. J'en ai. La meumeu. J'ai pas rentré la meumeu. Elle est où? Bah, elle a l'air super contente. Elle a une petite note de musique. Donc le fait qu'il y ait du vent n'a pas l'air de vraiment la déranger en fait. Ok. Bon, bah, il est quoi, 1 heure? Je suis en train de regarder. J'ai pas grand-chose, j'ai rien à faire en ville en fait. Ici, je pense qu'il faut débloquer le bateau, mais pour débloquer le bateau, il faut faire le truc de l'eau. Là, c'est la ferme. Ici, l'espèce de maison de sorcière, je suppose qu'il faut débloquer ça. Parce qu'on voit qu'en dézoomant, là, il y a le quartier, et là, on sait pas c'est quoi, c'est un truc en haut de la tour. Select, c'était quoi? Ah oui, c'est rien. Cherche le sifflet. Ouais, d'accord. Merci, quoi. Ah, cuisine. Ils disent quoi dans la cuisine? Pour faire de la cuisine, devant un appareil de cuisine, appuie sur A. Pour commencer, choisis les produits dans ton sac à dos, puis une recette, et fais goûter tes plats. Puis suis une recette. Et fais goûter tes plats. Ah, donc en fait, il faut une recette obligatoirement. Je peux pas faire des plats à l'arrache comme ça, quoi. Genre, par exemple, si j'ai un œuf, je le mets dans ma poêle, c'est censé faire un œuf sur le plat, quoi. Et si j'ai pas la recette, ça marcherait pas. Ah. Bon, bah, on rentre les animaux. Je sais qu'il est tôt, mais bon, voilà quoi. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigule. À la fois très fatigué et très nul. Je suis fatigule. Ils m'avaient pas apporté des livres, les gens. La mode, le pêcheur. Ah, ouais, et ça fait. Blablabla. Les animaux, utilisés, les domestiques, apprendra des tours. Il est important de faire pratiquer un kidon après un tour afin que tu n'oublies pas. Il y a une force cachée dans ce livre, mais une force est entourée de mystère. Ok. Illustration, non. Ah oui, j'ai pas de recette. Ok. La météo. Les infos, on avait regardé ou pas? Je sais plus. Ouais, Mayop, dodo. J'allais dire c'est demain, mais non, c'est dans 2 jours le festival. Des fleurs, je sais plus quoi. Oh, je sais plus, ça se passe où? Ok, 780. On n'a pas fait beaucoup d'argent, mais on en fait un peu. Là. Ah, l'église, ok. Au truc de l'église. Journal. On va sauvegarder. Hein. Non, j'étais en train de regarder. Je me disais pourquoi moi, les cloches de ma sauvegarde sont plus jaunes que ceux d'en dessous. Mais en fait, c'est mon curseur, en fait. Voilà, c'est mon curseur qui est un peu jaune. Bah, la météo. Ah, demain, soleil.